Alors salut à tous, aujourd'hui on va parler ensemble des outils indispensables pour débuter dans le hobby. C'est une question qui revient régulièrement sur le forum, on se répète pas mal. Du coup, je pense qu'il est nécessaire de faire un petit compte-rendu, un petit résumé très bref, très rapide sur les outils qu'il vous faut vraiment et les outils qui rendent la partie, on va dire, bricolage du hobby confortable. Alors tout d'abord, le but c'est de ne pas vous effrayer avec une liste monstrueuse comme on peut voir partout sur un peu tous les sites anglais et français. On va parler vraiment des outils qui vous serviront. Ça sert à rien de vous équiper avec 50 000 choses qui au final finissent dans les tiroirs. Je sais de quoi je parle, j'ai acheté énormément de choses au début. Et je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là à avoir acheté beaucoup d'outillages, beaucoup de spares et compagnie. Et au final, soit ça devient obsolète avec le temps, soit on finit par trouver quelque chose de plus simple et donc à avoir plein d'outils en double. Alors pour commencer, on va partir sur les bases. Il vous faut quelque chose pour dévisser toute votre visserie. Alors pour ça, il vous faut des hexas dans trois tailles. Alors les trois tailles sont importantes parce que on en retrouve trois différentes généralement sur tout le drone. Sur la partie moteur, on va avoir du 2,5. Là, actuellement, j'ai du 2 qui va me servir à toute la visserie qui est sur le corps du drone. Le 2,5, comme je vous ai dit, qui servira pour les moteurs. Et le 1,5 qui servira, lui, pour tout ce qui est caméra en règle générale. Après avoir des tournevis en hexa pour dévisser toute notre visserie, il vous faudra aussi un fer à souder pour procéder à toutes les soudures qui seront nécessaires lors du montage ou lors de vos réparations. Un fer à souder, clairement, il y en a un paquet sur le net, mais on vous recommande celui-ci, le 5 Smart. C'est le Pro 32, c'est un TS100. Le TS100, on vous a déjà fait une review sur la chaîne. Je vous mets la petite fiche ici ou ici, je ne sais plus trop de quel côté. Quoi qu'il arrive, elle sera en haut de l'écran. La petite fiche qui concerne ce petit fer à souder qui est très pratique au final parce qu'il est de qualité. Il y a des mises à jour à faire dessus pour le garder encore d'actualité ou à jour plutôt, afin qu'il ne devienne pas obsolète non plus. Et l'avantage aussi de ce petit TS100, c'est que il est fourni avec une alim qu'on peut couper, y mettre un XT60 et s'en servir sur le terrain avec une lipo. Et ça, c'est un vrai plus parce que si vous jamais vous arrachez une ne serait-ce qu'une petite soudure, votre après-midi, votre session complète, votre week-end, peu importe la durée de votre session, au final, ne tombera pas à l'eau car vous allez pouvoir réparer directement sur le terrain. De plus, avec le fer, il va vous falloir quelque chose pour nettoyer votre panne. L'idéal, c'est vraiment cette sorte de paille de fer, maille de fer, appelez ça comme vous voulez. C'est tout simplement de la ferraille en petits morceaux sous forme de paille, qui sert à nettoyer la panne de cette façon lors des soudures. Pourquoi ça plutôt qu'une éponge? Tout simplement parce que l'éponge refroidit la panne et le chaud-froid a tendance à abîmer du coup le métal et la rend du coup elle conduira moins la chaleur avec le temps et elle aura tendance à vieillir prématurément. Après ça, il vous faudra forcément de l'étain de qualité. Pour le coup, moi, j'ai un étain avec 2% de flux. Ça devient de plus en plus difficile à trouver de l'étain de qualité. Moi, c'est du 60-40. L'idéal, c'est de le prendre à l'étranger parce qu'en Europe, on a du mal à en trouver avec du plomb. Et ceux qui n'ont pas de plomb, malheureusement, sont parfois de mauvaise qualité, comme j'ai pu vous dire à l'instant. Ça a tendance à faire des soudures pas très propres, l'étain ne brille pas et il chauffe très mal.
Donc ça peut être aussi la source de vos problèmes lors de vos soudures et pas forcément votre fer à souder ou vous qui êtes mauvais quand ça se passe mal. L'étain est très important. Après avoir le fer à souder, il vous faut quelque chose pour tous les fils. Pour les fils, il va vous falloir quelque chose pour les découper et les dénuder. Pour les découper, je vous conseille un scalpel ou alors un cutter. Ça va vous servir pour tout ce qui est gaine thermo, scotch, découper des emballages, découper de la gaine thermo sur de l'électronique qui est déjà mise. Donc forcément, il va falloir y aller minutieusement afin de glisser le petit bout de la lame sous la gaine thermo et ne pas abîmer votre électronique. Du coup, ça, c'est faisable vraiment avec une sorte de scalpel comme ça. Avec un cutter, c'est un peu plus compliqué. Et avec un ciseau, c'est impossible. Alors, un scalpel, c'est vraiment pratique. Une pince coupante, forcément, pour couper. Et pas n'importe laquelle, parce que la pince coupante de l'électricien, c'est très bien, mais c'est énorme. Et nous, notre électronique est vraiment petite. Donc, une pince à bec plat, exactement comme celle-ci. Moi, j'ai trouvé ça sur Amazon. C'est tout simplement, ils appellent ça une pince de jeu, enfin de l'outillage de joaillerie. Pour le coup, moi, c'était dans un kit de cigarettes électroniques. C'est là-dedans que justement, j'ai récupéré la plupart de mes pinces et surtout une petite pince de précision dont on reparlera dans quelques minutes. Après ça, il va vous falloir forcément de quoi retirer les écrous de vos moteurs pour les hélices, bien sûr, et aussi une douille qui servira pour les écrous de la carte de vol. Pour ces deux tailles, si vous voulez une référence, c'est tout simplement du 8 et du 6 mm, du 8 pour les écrous moteurs et du 6 pour tout ce qui est petit écrou en nylon sur la stack. Après, on continue avec du scotch. Du scotch, c'est primordial. Vous pouvez avoir n'importe quel scotch, bien sûr. L'idéal, c'est d'avoir une sorte de scotch électricien un petit peu caoutchouc. Pour le coup, j'ai l'habitude de travailler avec du scotch 3M. C'est du scotch qui coûte cher. Ça vaut une quinzaine d'euros le rouleau. Mais par contre, voilà, il est très, très souple. Quand on le tend, on peut le tendre. Il dure dans le temps. Il résiste à la chaleur. Il se découpe pas si facilement. Et au final, je trouve que c'est du scotch de qualité et on en a pour son prix. Après ça, il va vous falloir, après le scotch, donc forcément de quoi tenir l'électronique, des riselants, c'est important. On en consomme énormément et c'est quelque chose qui va vous servir tout le temps et c'est clairement obligatoire parce que de toute façon, vous n'arriverez pas à faire tenir votre électronique autrement, si ce n'est qu'avec du double face. Mais du double face, je considère ça comme du matériel confort et non pas indispensable. Et après, au niveau des indispensables, vraiment, multimètre. Le multimètre, ça va sauver tout votre matos lors de vos montages. Il faut tester régulièrement. Ça peut vous aider à tout de suite repérer un court jus. Ça peut aussi vous aider à vous dépanner si jamais vous avez un problème sur une carte ou quelque chose. Ça peut vous permettre aussi de comprendre une carte si vous n'avez pas le diagramme. Vous pouvez très bien tester la continuité, regarder jusqu'où vont les plus, si les plus se rejoignent, si les moins se rejoignent. Et vous pouvez aussi voir du coup si vous avez une sorte de circuit coupé ou abîmé dans la carte en testant la continuité de cette dernière. Donc le multimètre, c'est vraiment un outil à tout faire. Un multimètre de qualité, ça vous servira tous les jours et pas seulement pour le drone. Donc n'hésitez pas à mettre bien 20, 30, 40 euros dans un multimètre, mais bien que la plupart d'entre nous en général en ont un à la maison maintenant. Voilà, maintenant on a fini toute la partie importante du matériel pour moi, encore une fois. Tous ces outils que j'ai pu vous montrer là, ce sont les outils indispensables. Maintenant on va parler des choses qui rendent le bricolage, les réparations confortables. Pour rendre tout ça confortable, je dirais qu'il est important aussi d'avoir un petit tournevis cruciforme. Mais ça, pour moi, il ne fait pas partie des outils indispensables parce que tout simplement, tout le monde a un tournevis cruciforme à la maison.
L'idéal, ça doit en avoir un de petite taille, pas trop gros. Donc voilà, en général, tout le monde en a un à la maison. Après, si jamais vous ratez vos soudures, de la tresse à dessouder ou une pompe à dessouder. La pompe, c'est classique, vous chauffez, on appuie sur le petit bouton, il aspire et on récupère le surplus d'étain sur votre électronique. Après, une pince à bec plat, ça peut vous servir pour retirer quelques prises, tirer sur certains câbles qui sont un peu accrochés ou des choses comme ça. Une pince à bec plat, voilà, ça m'arrive de m'en servir, c'est pas l'outil qui me sert le plus, mais c'est sympa d'en avoir une en tout cas. Après, je vous ai parlé de cette petite pince. La petite pince, c'est une pince de précision. Donc, je vous mettrai les liens dans la description si ça vous intéresse. Hein. Moi, j'ai pris ça sur Amazon. C'est une, ils appellent ça donc une pince de joaillier de précision. Cette pince-là, clairement, je ne peux pas faire de montage sans. Tout simplement parce que ça permet, en gros, imaginez qu'on est sur la carte au centre. Le fait d'avoir la pince en décalé et le fer à souder de l'autre, vous avez toujours la visibilité au centre et vos deux outils sur les côtés. Et ça, ça rend le montage vraiment, vraiment plus agréable. Après, en ce qui concerne tout ce qui est petit matériel, du velcro, donc du scratch, hein, vous allez en mettre sur vos batteries. Vous allez pouvoir en mettre sur votre électronique pour accrocher certains composants de façon non définitive, temporaire donc. Et voilà, vous pouvez vous en servir. C'est sympathique toujours d'en avoir un petit peu sous le coude. Il y a ce scotch double face que j'ai trouvé récemment qui est vraiment top. Celui-là, je vous mets le lien dans la description. C'est tout simplement un scotch réutilisable. Donc, ce scotch double face, il est un peu caoutchouteux. Il est plutôt épais. Et clairement, on découpe. On le met, une fois qu'il accroche plus, on le retire, on le nettoie bien, on le frotte bien et on le laisse sécher. Une fois qu'il est bien sec, vous pouvez en principe le réutiliser. J'ai pas eu à le réutiliser encore, les gens ont l'air plutôt contents dans les commentaires sur Amazon. Moi clairement, en tout cas, pour une utilisation directe, sans parler de la réutilisation, il accroche vraiment très bien. Bien sûr, à condition de ne pas mettre les doigts dessus avant, hein. Mais le côté élastique caoutchouteux, j'adore. Et le fait qu'il soit très large et qu'on puisse le découper à la dimension de notre électronique, c'est vraiment top. Franchement, ça amortit un peu les vibrations, ça adhère très bien et ça peut vous dispenser du coup de mettre des colson, parce que les riselants, c'est bien, mais quand il y en a trop, ça fait dégueulasse. Après, quand vous faites vos soudures, je vous ai parlé du scotch en indispensable. Je dirais que ce qui est plus confort, c'est de la gaine thermo. De la gaine thermo, ça fait plus propre. Ça ne coûte pas spécialement cher, un kit avec énormément de gaine thermo. Et en plus, ça peut vous servir pour énormément de choses. Pour des antennes, des fils, pour tenir des fils à une partie de votre frame. Honnêtement, ça vous servira toujours et ça peut vous servir aussi en dehors du modélisme. Après, petite chose importante, nos drones vibrent, du frein filet. Le frein filet, c'est pareil, c'est pas un indispensable. Honnêtement, j'en ai, je le mets que très rarement. Avant, j'utilisais du vernis à ongles. Le vernis à ongles, vous le mettez, vous serrez et ça fait office de frein filet, je dirais, avec une résistance faible. Pas moyenne ni forte, mais une résistance faible. Ça coûte moins cher, madame en a, surtout ça. Et c'est transparent quoi au final. Donc le vernis à ongles, ça fait aussi office de frein filet. Pas très puissant encore une fois. Après, ce qui est confort, un écran déporté. Nous on a la petite montre qui nous sert tous les jours sur le terrain. La petite montre pour faire les réglages à l'atelier, c'est aussi vraiment top. Vous pouvez régler votre OSD, vous pouvez régler votre fréquence, vous pouvez tester si votre partie FPV fonctionne. C'est vraiment top. Donc un écran déporté, j'en avais pas avant, toujours obligé de bricoler avec les lunettes, vraiment c'est pas pratique. Et un écran déporté, c'est confortable. Pareil, ultime et dernière chose, je pense, parce qu'après on peut en fitter toute une tonne, et ça servira à rien de faire une vidéo depuis de 50 minutes, hein. De toute façon,
Je vous laisse enrichir cette vidéo avec les commentaires. Donc je disais, le dernier outil qui est très important non, c'est pas vrai, qui est très confortable, c'est la troisième main. La troisième main, il y a des pièces qui sont compliquées à souder, petites, donc pas simples à faire tenir. L'idéal, c'est de ne pas souder non plus sur votre drone, au cas où qu'il y ait une boule d'étain qui tombe, pour éviter de détruire toute l'électronique qui est à côté. Donc une troisième main, ça vous permet de sortir votre pièce, de la souder et de la remettre après sur votre drone de façon safe. Donc voilà, c'est à peu près tout au niveau de l'outillage. Comme je vous ai dit, on pourra faire une liste monstrueuse. Pour la gaine thermo, il y en a qui utilisent des briquets par exemple. Moi, je ne suis pas pour une gaine thermo-rétractable, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Ça se rétracte avec le chaud et non pas avec une flamme. Donc, un sèche-cheveux, ça marche très bien. Perso, c'est ce que j'utilise. Sinon, un pistolet à air chaud, plus communément appelé un décapeur thermique. Sauf que le décapeur thermique a tendance à être un peu plus puissant en général. Donc voilà, il y a énormément de matos possibles pour rendre confortable, mais pas indispensable. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à enrichir dans les commentaires, comme je vous ai dit. N'hésitez pas à liker, partager, ça nous fait plaisir. Et passez sur le forum, il y a pas mal de petites infos, de petits conseils, de petits tips vraiment sympathiques. Et la communauté est vraiment cool, donc ne vous privez pas de ça. A bientôt sur la chaîne, c'était QNK pour WeAreFPV.